Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelques raccourcis clavier pratiques à utiliser avec votre Smart Vision 2. Par exemple, en appuyant sur la touche dièse et la touche 1 de votre téléphone, vous pouvez entendre des informations sur l'état de votre appareil, comme par exemple le niveau de la batterie, si votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi ou pas, et bien plus encore. Midi 5, niveau de batterie. 95% restant, état Wi-Fi, connecté, état Bluetooth, désactivé, état du GPS, actif. En appuyant sur dièse et 4, vous pouvez ralentir la vitesse de la synthèse vocale. 2-lente, 1-très-lente. En appuyant sur la touche dièse et 5, vous accélérez la vitesse de la synthèse vocale. 2-lente. 3-normal. 4-élevé. En appuyant sur les touches dièse et volume plus ou volume moins, vous augmentez ou diminuez le volume de la synthèse vocale. 65%. Lorsque vous vous trouvez dans une zone de texte, comme par exemple une note, en appuyant sur les touches étoile et 1, vous basculez entre les différentes options de lecture disponibles, lecture par caractère, lecture par mot ou lecture de la page entière. Par défaut, page, paragraphe, ligne, mot, caractère, par défaut. Étoile plus 0 vous permet de sélectionner l'entièreté du texte. Sélectionnez tout. Étoile plus 6 vous permet de copier du texte. Copier. Et étoile plus 9 de le coller. Sous le commande, coller. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Vous avez une question sur le Smart Vision 2? Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent@fondationaici.be. Vincent@fondationaici.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.